Pour le Superette, cette semaine on se retrouve pour vous apprendre à faire une quoi ? Une robe spéciale Festival de Cannes. On est à la bourre ! On est à la bourre parce que Festival de Cannes ça finit aujourd'hui. Hein ? Lève tes bras. Ah non, ça va mieux. Ça va mieux. On vous avait demandé sur Instagram ce que vous pensiez qu'on allait réaliser avec la dentelle et c'est encore Oumi le fait à la main qui a deviné qu'on allait faire un body, donc c'est pas exactement ça, mais bon, c'est un body quoi, donc voilà. Et aussi Leila Nour 974, bravo à vous. Vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien du tout. Mais si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous pouvez nous rejoindre et essayer de deviner ce qu'on vous prépare dans nos prochaines vidéos. Il y en a qui étaient pas loin, qui ont deviné que c'était une robe de cocktail. On pourrait dire que c'est une robe de cocktail, c'est une robe de soirée, je ne sais pas. Du coup, on fait un gros bisou à Manon. C'est Manon qui a posé dans la vidéo. Merci à Maud et à Margot qui nous ont aussi aidé sur le tournage. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève parce que j'ai mal aux jambes. J'ai le droit ou pas? Et merci au théâtre d'Agen, théâtre du Courneau d'Agen, dans lequel on a réalisé cette vidéo et qui nous ont gentiment ouvert leurs portes. Donc pour réaliser cette robe, on s'est clairement inspiré d'une créatrice, Lise Martinez, qu'on a trouvé comme ça par hasard sur Pinterest, qui fait des robes de mariée. Pour la réaliser, on a acheté 3 dentelles différentes. Donc il y en avait une bien stretchy qui venait de chez Mondial Tissu. D'ailleurs les deux autres aussi venaient de chez Mondial Tissu. On a acheté aussi de la mousseline pour la réaliser. Mais du coup la mousseline on l'a acheté sur internet sans la toucher, sans la regarder. On a été un petit peu déçu du rendu. Bon ça rend bien dans la vidéo, mais en vrai elle est un petit peu brillante, un petit peu cheap quoi. Déjà il y avait écrit mousseline écrue et la mousseline elle est clairement blanche. Donc on vous voit venir, on a fait une version body un petit peu sexy, hein, c'était le but parce qu'on voulait que ça fasse Cannes. On a fait une version body un petit peu sexy pour que ça fasse un petit peu gala, Festival de Cannes. Mais si jamais vous voulez la réaliser avec juste un dessous de robe recouvert de petites fleurs de dentelle, vous pourrez carrément, ce sera un petit peu plus portable. Certainement. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, on est Hello Superette, une chaîne de couture, et on vous incite à vous abonner pour rater aucune vidéo et à cliquer sur la petite cloche également pour recevoir une notification à chaque fois qu'on sortira une vidéo. On en sort une par semaine et je vous avoue que là, Léa, elle a repris le boulot, donc les grosses vidéos, on va y aller mollo. On espère que cette vidéo vous plaira et on vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser cette robe spéciale Festival de Cannes, il vous faudra environ 4 mètres de cordon satiné, un body à vous pour vous en servir de modèle, 1 mètre de dentelle, de la dentelle assez stretch pour pouvoir en faire un body, assez de dentelles à motifs floraux pour pouvoir les découper et en faire des petites fleurs. Nous, on a pris 50 cm de 2 dentelles différentes et environ 3 mètres de mousseline très très fine qu'on voit à travers, que ce soit super léger et flowy pour donner cette impression de princesse, de star. Ah oui, aussi il vous faudra des perles nacrées pour finir le tout, mais ça c'est pas obligatoire. Alors au début on s'est servi du body comme un modèle pour créer un patron. On va pas détailler ça dans cette vidéo parce que sinon ça durerait une plombe. Mais grosso modo, si vous regardez la vidéo du Monekini, ça vous donnera une idée de comment on a fait. Une fois le patron créé, on est venu découper un dos et un devant dans notre dentelle bien stretch. Et on a commencé par former les pinces. On a aussi une vidéo sur ça si vous voulez un petit peu plus de détails. Ensuite on vient assembler le dos et le devant endroit contre endroit au niveau des côtés. Au départ on était venu assembler l'entrejambe sans créer d'ouverture spéciale, mais on s'est rendu compte que ce serait quand même vachement plus pratique qu'il y ait des pressions à ce niveau là et c'est pour ça qu'on en a mise au final. On détaille pas non plus tout ça ici. Si jamais vous voulez qu'on fasse une vidéo sur un body, vous avez qu'à nous laisser des commentaires. Une fois que c'est assemblé, on vient recouper les valeurs de couture parce que c'est un petit peu transparent et qu'on veut que tout ça se soit super propre.
Et pour finir la structure du body, on va venir découper deux morceaux de cordon satiné d'environ 1 mètre. On fait un nœud au bout de chaque cordon et on va venir les assembler sur les pointes de notre body avec un petit point à la main. Pour finir l'assemblage de bretelles, on vient l'essayer et on détermine où est-ce qu'elles vont tomber dans le dos et on les assemble toujours avec un petit point à la main. Une fois qu'on est arrivé là, le body en fait il est carrément fini, il reste juste une étape et c'est la plus longue, ça m'a pris plusieurs jours, c'est venir découper chaque petite fleur de dentelle et venir recréer des motifs floraux à partir de tout ce qu'on a découpé. Donc au début j'étais parti pour les coudre à la main directement sur le body, mais je me suis rendu compte qu'entre la découpe et l'assemblage ça allait prendre une plombe et du coup j'ai fini par la colle chaude, et oui c'est un petit peu moins premium mais c'était carrément plus rapide et en plus la colle chaude elle se voit pas du tout, donc je me suis dit why not. Alors au début je découpais que les plus belles fleurs mais ça me faisait pas des fleurs très différentes et du coup je me suis amusé à découper des éléments qui avaient rien à voir et qui me semblaient pas du tout utilisables au début et je les ai découpés de sorte à les assembler pour que ça forme des fleurs carrément variées et très différentes et super jolies. Je trouvais ça rigolo parce qu'au début je me sentais un petit peu bloqué avec le peu de jolies fleurs qu'il y avait sur cette dentelle. Ça m'a poussé à être un petit peu plus créatif et je me suis retrouvé avec plein de fleurs différentes que je pensais pas du tout utiliser et du coup je trouve que c'était cool. C'était très long mais c'était coolos quand même. Une fois que le body est plus ou moins terminé, on peut passer au drapé. Donc pour ça, on va commencer par découper notre mousseline. Là, on vous le montre avec du papier craft parce que le morceau était tellement gros qu'on n'a pas réussi à filmer quelque chose de clair. Du coup, on va vous montrer en petit pour que ce soit plus clair dans votre tête. On prend le grand morceau et on vient le couper en deux dans le sens de la longueur. Une fois que c'est fait, on vient faire des petits ourlets de chaque côté sur les côtés longs en repliant deux fois comme ça directement sous la machine. Ça passe direct. Une fois qu'on a fait les ourlets sur chaque long côté, on vient prendre un des deux morceaux et celui-là on le coupe en deux dans le sens de la largeur. Et du coup on va se retrouver avec trois morceaux, un très grand morceau qui nous servira pour le drapé qui tombe sur l'épaule et deux petits morceaux qui nous serviront pour la jupe. Commencez par former la jupe et vous allez voir c'est très simple. Donc on prend les deux petits morceaux en mousseline et on va faire un petit tube sur le haut de chaque morceau dans lequel on pourra passer le petit cordon satiné. Donc pour faire le tube on fait un premier repli à 1 cm sur le haut des deux morceaux. On fait un point d'arrêt au début et à la fin on pique avec un point droit. Une fois que c'est cousu on recoupe au plus près de la couture pour que ce soit bien propre et on va faire un deuxième repli à 2 cm ou moins hein, mais il faut que la largeur elle soit suffisante pour pouvoir enfiler le petit cordon que vous avez choisi et on va piquer ce repli nervure pour être sûr que le cordon passe. Quand on a formé un des deux tubes, on vient enfiler le cordon du coup dans le tube et à 2 mm de ce tube, on va coudre un fil de fronce. Donc un fil de fronce, c'est un point droit à la longueur maximale que vous avez et vous cousez sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Une fois que le fil de fronce est fait, vous froncez le tout et vous froncez jusqu'à obtenir une largeur d'environ 30 cm. Vous répartissez bien les fronces uniformément et on va venir fixer ces fronces avec un point normal, donc on reprend une taille de point droit normal et on fait un point d'arrêt au début et à la fin, comme ça nos fronces elles bougent plus. Et si votre fil de fronce vous gêne, vous pouvez aussi le retirer à cette étape. On forme le tube sur l'autre morceau de mousseline et de la même manière on va enfiler le petit cordon dans ce deuxième tube. On va faire un fil de fronce à 2 mm en dessous de ce tube. On va froncer jusqu'à obtenir une largeur de 30 cm. Ensuite, on fixe ces fronces avec un point droit normal. On retire le fil de fronce et la jupe, elle est terminée pour le moment. On va passer au drapé qui tombe sur l'épaule. Et pour ça, on va prendre le troisième morceau de mousseline, c'est le plus grand. Et on va venir le plier en deux. Et sur ce pli, on va coudre, devinez quoi, un fil de fronce. Donc là, c'est exactement la même chose. Longueur de point droit maximum, sans point d'arrêt au début à la fin. Et ensuite, quand c'est fait, on va tirer légèrement dessus jusqu'à former des fronces. Et là, on veut une largeur, une largeur d'épaule, quoi, un truc pas très épais. Et quand on a la bonne largeur, on vient la fixer avec un point droit normal et on fait un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois qu'on a fait ces fronces, ce sera les fronces du niveau de l'épaule. On va faire exactement la même chose à 30 cm de chaque côté. Donc on place un repère à 30 cm à droite et un repère à 30 cm à gauche. On coud un fil de fronce et là on va venir froncer pour obtenir une largeur de 30 cm de chaque côté. Ce sera au niveau de la ceinture, donc exactement pareil que sur la jupe. Et quand on a nos 30 cm, on vient le fixer avec un point normal. Vous avez vu, c'est un petit peu la même chose, c'est juste que sur l'épaule, il faut que ce soit un petit peu moins large que 30 cm.
Une fois qu'on a fini avec le drapé, on peut venir assembler toute cette robe ensemble. Et du coup, pour ça, il faut enfiler le body. Il faut poser le drapé sur l'épaule, comme ça, avec la petite partie qui est froncée au niveau de l'épaule. Et ensuite, on va venir entourer le tout avec la jupe. On le noue au niveau de la taille et on va venir faire un petit point sous le drapé pour l'attacher à la bretelle pour que ça ne tombe pas quand vous défilez sur les marches de Cannes. Et on est aussi venu décorer la mousseline avec des petites fleurs de dentelle pour que ce soit un petit peu plus homogène, cohérent, bucolique, fantasmagorique. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Voilà, on espère que cette robe un petit peu hors du commun vous aura fait kiffer. En tout cas, ça nous a bien fait marrer de la penser, de la dessiner et de la réaliser et d'imaginer tout ce qu'on pourrait faire avec cette robe. Si jamais vous voulez voir notre dernière vidéo, vous pouvez cliquer ici ou venez nous rejoindre sur Instagram pour papoter avec nous ou nous envoyer vos créations. Abonnez-vous à la chaîne pour rater aucune vidéo. Et Léa et moi, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.